C'est une exposition qui nous explique quelles sont nos racines chrétiennes. Parce que ce sont nos frères chrétiens d'Orient qui sont les plus anciens chrétiens de la planète. C'est eux qui ont été fondés par les saints apôtres. Il suffit de lire les Actes des apôtres, c'est d'actualité actuellement dans la liturgie, pour s'apercevoir que tout a été fondé dans ces pays que nous soutenons, le Liban, Israël, bien entendu, la Syrie, la Turquie, la Grèce et j'en passe. Et il est très important de se rappeler que nos racines sont là-bas, parce que une personne ou un pays ou une culture qui oublie ses racines oublie ce qu'il est réellement. On a vraiment un tronc commun. On a vraiment un tronc commun. D'une part, on a la même foi puisqu'on croit au Christ mort et ressuscité pour nous. On croit au même Dieu. On a eu l'enseignement des mêmes apôtres. Donc, on est réellement de la même culture, de la même théologie, et ça c'est très très important. Notre diocèse est jumelé avec l'archidiocèse maronite de Tripoli, et il est évident que quand on parle chrétien d'Orient, on a forcément notre cœur qui bat un peu plus vite quand on parle de Tripoli et de l'amitié qu'on a avec eux, et de la solidarité, puisque beaucoup de personnes le savent maintenant, nous aidons une école proche de Tripoli qui reçoit des enfants de conditions modestes à vivre et à pouvoir les accueillir et aux familles avoir un peu plus d'argent que d'habitude.